Jamal Sheikh Sharif, l'un des plus dangereux chefs de guerre du pays. Il dirige une milice armée jusqu'aux dents, qu'il utilise pour contrôler plusieurs quartiers importants de la ville. Ce qui veut dire que notre aide humanitaire est bloquée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Il change de lieu deux fois par jour. Son dernier point de chute était le Zenaki, un hôtel qui est juste ici. Il y a peu de chances qu'il y soit encore, mais c'est un endroit comme un autre pour commencer. Tu seras seul sur cette mission. Pas de contact direct avec l'ennemi, pas de renfort. Tu identifies et tu élimines ta cible, puis tu actives ta balise GPS pour qu'on puisse t'extraire. On doit te récupérer avant l'aube, alors ne perds pas de temps. Le dernier soldat américain capturé ici a été traîné dans la ville par une jeep. On a trouvé sa tête et une de ses jambes dans un bateau de pêche. Mieux vaut éviter ça. Je serais revenu avant même qu'il comprenne ce qui s'est passé. T'en fais pas. Ça va aller. Chance, Judy. Et salut tout le monde, on se retrouve pour cette petite partie de Beyond Two Souls. Je crois qu'on en est à la partie 5, ça fait un petit moment que j'ai pas retouché au jeu depuis la dernière fois, donc... Pas de contact direct avec l'ennemi, pas de renfort. Donc j'espère que je vais pas me viander. Ah mince, j'allais le faire toute seule en fait. Alors, tac... Là y'a un mec... Merde. Je crois que je me plante de... Ok. Ça marche. Je pensais que j'aurais large le temps. Apparemment pas. Hop, on va juste aller voir si en haut il y a quelqu'un. C'est pas utile que j'aille en fait. Ok. Ah bah apparemment si je suis obligée de passer par en haut, ok, ça marche. Ah.
Ok. Son dernier point de chute était le Zenaki, un hôtel qui est juste ici. Vois si tu trouves un truc. Charmant. Du coup, si je vois un truc... Ah, ok, d'accord. Génial. Allez, on y va. Ok. Bon voilà, fallait juste me souvenir un peu des touches. Ça a pas l'air cool ici. Donc du coup voilà, on se retrouve avec Jeudi qui est en pleine mission où faut apparemment buter un mec. Hop. Et donc précédemment on avait été embauché à la CIA grâce à nos compétences. Et on a eu notre première mission donc avec Ryan. Ok. Et ensuite, on avait donné rendez-vous à Ryan, chez la petite Jeudi. J'ai juste allé voir. Ah, les assomme juste, les tue pas. Elle est cool, cette fille, putain. Tac, ok. Je sais pas trop par où. Hein. J'ai peur qu'il me voit, en fait. Et donc là, on se retrouve avec une autre mission où on doit tuer un mec. Je me suis encore tenté de... Je sais pas pourquoi je veux toucher le... Ah bah il s'est barré du coup l'autre. Ok, ça marche, super. Je sais pas du tout où aller. Hop. Donc là faut qu'on trouve un mec pour buter. Ouais, c'est un peu... Bon, pour l'instant je suis loin d'être discrète. Ah, je crois que c'est ici qu'il faut qu'on aille. L'hôtel okay. Zenaki. Yes. Cool. Donc là, ouais, c'est juste parce que ouais, je me souviens plus trop des touches. Je pense que quand je referai le jeu et que je ferai les mauvaises actions, entre guillemets, je pense que je reprendrai le PC parce que, en fait, même si c'est plus galère à certains moments, je sais pas pourquoi. J'y suis plus arrivée avec le PC qu'avec la manette, étrangement. Donc là, normalement, on a différents... Yes. Alors là, si je me souviens... Mince. Voilà. Une cathédrale en ruine. Ils sont près d'une cathédrale en ruine. Il y en a une pas loin d'ici. Je devrais trouver facilement. Ok.
ici. Jamal. Il était ici. J'ai juste regardé avec Aiden s'il y a autre chose. Ah oui, il y a deux trucs ici, ok. Ça marche. Tourner un peu la caméra. Je vois pas grand chose en fait. Ils ont passé la nuit ici. Ils étaient une dizaine. Zen. Ils avaient un blessé apparemment. Samir بالتقدم. ابقوا رؤوسكم الى الاسفل. هيا اتبعوني. Ok. Bah, je crois que j'ai visionné. Donc là, faut qu'on se rende vers la cathédrale en ruine, du coup. Parce que c'est l'endroit qu'on nous a montré. Ouais, c'est par là. Je sais pas s'il me voit, si je l'assomme. Apparemment pas. Bah tant mieux. Ici. Putain, la pauvre Judy, quoi, ça. J'ai juste regardé s'il y a un mec. T'as un mec. Je vais pas le buter quand même. Apparemment si. Alors ensuite on va continuer gentiment. Ok, autant pour moi. Ça marche. من هناك؟ J'essaye autant que je peux de pas trop me faire choper. Bon, j'imagine qu'il faut que je continue par là. أنت تثير استفزاز. من منكم يجب أن نقتله الأول؟ هل ستكون أنت؟
Je vais y arriver. Hein. À chaque fois, je sais pas pourquoi je veux utiliser celle de gauche au lieu de droite. Je ne me comprends pas moi-même. Par contre, où est-ce que je vais en fait? Aide-moi, Aiden, s'il te plaît, parce que. Je sais pas où je suis partie là, mais. Ah, l'église est juste là. D'accord, ok. Elle est juste là. Et moi, je suis où? D'accord, donc c'est. Ok, ça marche. Il faut que j'aille de ce côté en fait. Merde. Ok. On peut tous les affronter en fait. Ah, c'est marrant. Enfin marrant, façon de parler. La cathédrale. D'où est-ce que je la voyais dans ma vision? Ah ok, d'accord. Ils sont venus ici. Alors, du coup... Là c'est pareil, on va essayer de tout visionner quand même. C'est marrant, ça c'est un truc qu'ils lui ont pas appris à la CIA. De. Différentes langues en fait. Je veux dire. Je pense pas qu'elle comprenne. Grand chose à ce qu'il dit. C'est un peu dommage quoi. Bien qu'il laisse des traces comme ça. Ça me simplifie la vie. Je sais où ils sont. Ok. Et là, normalement, on a le corps d'un homme. Bah, c'est pas celui qui était blessé tout à l'heure. Quelqu'un a presque fait mon travail. Ouais, c'est un peu le souk hein, dans le coin, putain, ça craint. Hein. Quand je pense qu'il y a des... Enfin, je veux dire, aujourd'hui encore, il y a des gens qui vivent la guerre sans cesse. C'est triste en fait, hein. C'est compliqué. Hein. Je sais même pas si nous en France, on serait capable de vivre dans un état pareil en fait. Alors, du coup, on va passer genre tranquille bilou par là. On voit la tour qu'on nous a montré tout à l'heure. On entend quelqu'un qui gémit. Ah!
تقتربي لا تقتربي ولا قتلتك Doucement. Tu as l'air blessé. Je veux juste t'aider. Je vais avancer vers toi. Ne tire pas, ok? Il a perdu beaucoup de sang. Il va mourir si je l'aide pas. On va l'aider quand même. Je suis vraiment désolée, je comprends pas un mot de ce que tu dis. Salim, Salim. Ah, tu t'appelles Salim. Salim. Jody. C'est... Jody. Jody? Oui, oui, Jody. Jody, Jody. Oh merde! On dirait qu'on a de nouveaux amis. احترسوا قد تكون مسلحة. Bon bah c'est parti pour la baston hein. Non, c'est une blague. Mais c'est lui qui tire depuis tout à l'heure en fait. Non, faut pas que je relâche, hein. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est bizarre. D'accord. Okay. Bouge. Que d'autres n'arrivent. Ah ouais, tu veux te battre. Merde. Je le fais exprès. Ah,
Eh ben heureusement qu'Aiden est là. C'est bon. C'est bon. Je vais bien. On fait une sacrée équipe, la vraie Salim. Oh, je suis désolée, je suis vraiment nulle au QTE. Putain. Ça va être difficile de passer inaperçu maintenant. Ouais, je pense, la prochaine fois, enfin, quand je recommencerai, je pense que je reprendrai le PC. J'avais presque tout réussi en QTE avec le PC. C'est là que je dois aller. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'avoue. Je vous pas où tourner. Allez, c'est parti. Ok. Rien que ça. Non mais, Jody, s'il te plaît, arrête de bouiner. À la merci. Il y a sa tête partout, mec. Pas le choix. On va devoir passer tout droit. Reste près de moi, d'accord? Viens vite, aide-moi. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. Je sais pas ce que ça fait si on met pas de protection. Ok, vas-y. Grimpe. Ah ouais, rien que ça, ok, d'accord, lol. Oh putain, ah, ça pue quand même. Hein. Ok, j'imagine qu'il faut qu'on passe par là. Débarrasse-toi d'eux. À tes ordres, princesse. استولوا هؤلاء الأوغاد على كل المناطق الشمالية ولن يكون من السهل. T'imagines le mec qui te parle comme ça tranquille, puis d'un seul coup il s'arrête. Non j'ai plus rien à dire. Moi je me méfierais quand même, tu vois. Le gars il s'arrête d'un seul coup de parler, il me regarde avec son couteau. Ouais. Bonjour. Allez, dans le camion. Doucement, Aiden.
On va essayer de passer sans se faire repérer. Ce serait pas mal, en effet. Pas à l'aise, hein. Bordel de merde. RT ? Pourquoi je dois faire RT ? Hassan, ماذا بك ? هل أصبحت أدرج ? أنا أكلمه. Ah, c'est marrant. Accélère, Aiden, allez. Ok. Je sais pas c'était quoi RT, je crois que c'est pour accélérer justement. Salim, baisse-toi et bouge pas. Ok. Non, je l'ai réussi. Putain, elle est costaud la Judy en vrai. Ah, putain. Je vais juste tester quelque chose pour savoir si... Oh oh. Ah ok, d'accord. Je voulais juste tester, voir si si je réussissais pas les QTE, ce que ça faisait. C'est là que nos chemins doivent se séparer. Il faut que je m'en aille. Est-ce que tu comprends, Salim ? La natrukuki, yumkinu ni alpaka ou la janibuki. Désolée, mais tu peux pas venir avec moi. Tu es très courageux, Salim. Et un jour, tout ça sera terminé. Et tu pourras retrouver une vie d'enfant. T'es trop mignon. Bon. Jamal est quelque part dans le coin. J'ai pas beaucoup de temps. Pas passer par là, ok. Ok.
façon, je peux que passer par là, en fait. Ça y est. Jamal est là. Je dois trouver un endroit près de la maison pour me mettre à couvert. Près de la maison ? Je sais pas, mets-toi là, en fait. Tu sais ce que t'as à faire. Ok. Alors ça, c'était un truc que je voulais voir. En fait, la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai déjà trouvé des bonus, quelques-uns. Deux, je crois, juste deux, hein, il me semble pas plus. Et en fait, il y avait un bonus qui était posé sur un toit en évidence et je l'ai pas revu. Donc je me demande si quand on récupère un bonus, du coup, on l'a pas tout le temps, en fait. What? Salim? Hein? Merde! Qu'est-ce qu'il fait ici? S'il reste dehors, ça devrait aller. D'accord, il y a le gamin qui est là. Et alors, normalement... انا لا يهمني راي امريكا حتى اخذ الحكم في بلدي كيف لا يهمك امريكا هي من اعظم الدول في العالم je peux trop ah là c'est la limite je crois OK donc là on peut contrôler deux personnes. C'est Jamal. Je vais pas pouvoir me rapprocher. Tu vas devoir le faire, Aiden. Ok. Ça marche. Du coup... Je suis pas douée. Je suis désolée, je suis pas douée. Allez, trouve une arme. Merde. C'est pas ça, LB? Ah non, je suis bête. Ok. Il faut que je le fasse. Les ordres sont les ordres. Ce type a du sang sur les mains, il mérite de mourir. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le tuer. Effectivement, ils discutent alors qu'il y a un gars armé qui vient de rentrer dans leur salle de réunion, quoi. Viens vite m'ouvrir la porte. Je dois vérifier que Jamal est bien mort. Vite! Ce n'est pas de ça. Je sais pas si je peux monter pour voir Salim. Je vais regarder. Je vais juste tester, voir si je peux. Non mais je veux juste que t'ailles en haut. Non on peut pas. Non c'est coincé. D'accord, ok, ça marche, c'est coincé. Par contre je vais juste regarder. Non ça ne veut dire rien. Tac.
أبي، لا، لا تموت يا أبي، أنا بحاجة إليك، لا تتركني، لا تتركني. C'est ton père. لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنك ستكتي. لقد قتلت أبي، لقد قتلت أبي. أنا أكرهك، أنا أكرهك. Je crois qu'il fallait que je me protège. Oh, le pauvre gamin, quoi. Oh, merde. Je pense qu'il faut qu'on se tire. T'as intérêt à te barrer, ma cocotte, parce que... Ça doit faire super mal. Merde quand même, hein. Moi j'ai mis super longtemps, je crois la première fois à trouver... Putain. Oh la mission de ouf. Oh la vache. En 10 ans dans la CIA, j'ai jamais vu un truc pareil.
patron a envoyé son propre hélicoptère pour ramener un agent. Toutes les grandes huiles sont dingues de toi, Jody. De toi et d'Aiden, bien sûr. Jody, tout va bien? Ah, écoute, je sais que c'était difficile, mais c'est fini. On rentre. Une autre mission accomplie, d'accord? J'oublierai jamais ce que j'ai vu là-bas, Ryan. Tu m'étonnes. Jamais. Je pense dans tous les cas, toutes les personnes. Comment va ta jambe? Mieux quand l'antidouleur fait effet. Je pense que ouais, toute personne qui vit comme ça, la guerre et tout, la misère, ce genre de choses, qui la voit de leurs propres yeux. Ça doit quand même pas donner la même chose. Je pense que t'en ressors changé, quoi. C'est... Comme elle dit, j'oublierai pas, quoi. Ça doit être ouf. Moi, j'aurais jamais un courage comme elle a, quoi. C'est pas possible. Bon. Et la communauté internationale vient de nous annoncer la reconnaissance officielle de l'élection du nouveau président Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, l'un des plus dangereux chefs de guerre du pays. Toutefois, certaines sources indiquent que Sharif et l'ensemble de son gouvernement ont été assassinés au cours de ce qui semble être une attaque non revendiquée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Beaucoup espéraient que le président nouvellement élu Jamal Sharif serait capable de mettre un terme aux hostilités qui ravagent son pays depuis tant d'années. Plusieurs chefs d'État ont déjà exprimé leur indignation devant ce qui leur paraît être rien de moins qu'une abominable exécution préméditée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Tu m'as menti. De quoi est-ce que tu parles? Jamal n'était pas chef de guerre. Il était président. C'était le président élu démocratiquement. Ouais, et alors? On n'est pas des politiciens, on avait des ordres. Tu savais qu'il aurait jamais tué. Alors tu m'as menti. Bienvenue à la CIA, Jody. On n'est pas des enfants de cœur, au cas où t'aurais pas remarqué. On avait un job à faire et on l'a fait, c'est tout. C'est peut-être juste un putain de job pour toi, ok? Mais je m'amuse pas à liquider les gens parce qu'un connard de Général 4 étoiles me dit de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je dis, écoute-moi, calme-toi, ok? On en parlera quand on sera rentré, d'accord? Tu m'as manipulé! Tu t'es servi de moi pour faire ton sale boulot! Et quelle différence ça fait, Jody? Cet homme était condamné avec ou sans ton aide? J'ai du sang sur les mains! Un gamin a perdu son père à cause de moi! Parce que je te faisais confiance! Parce que je croyais qu'on faisait ce qui était juste! Je suis quoi pour toi, Ryan? Un jouet? Un putain de pantin à qui tu peux faire faire tout ce que tu veux? On traverse une zone de turbulence! Merde! Je perds le contrôle! Est-ce que tu m'as aussi menti cette nuit-là dans mon appartement? Jody, arrête, putain, tu vas tous nous tuer! Plus personne ne mentira chez mes Ryan. Jody! Merde! Ouais. Est-ce que Clayton est là? Non. Non.
Non, je me suis enfuie. Non, tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Ils vont te traquer et te retrouver. Tu dois te rendre, Jody. On discutera. Je suis sûre. C'est fini, Nathan. Je veux plus être leur jouet. Tu leur diras bien que s'ils essaient de me retrouver, je les tuerai. Jody, écoute. Dis-leur, Nathan. Je les tuerai. Ouais, ça rigole plus là. Donc voilà, on a terminé la mission. Et en vrai, elle a duré super longtemps. Je sais pas c'est de quoi cette voie non découverte. Je sais pas s'il faut se laisser kidnapper ou quoi. Je sais pas du tout. Ryan embrassé. Alors c'est bizarre, la première fois que j'ai joué, j'avais le choix de l'embrasser ou pas. Alors je pense quand on me dégage et tout de la part de Jody à ce que j'ai fait précédemment en fait. Je pense qu'on a le choix. Et du coup là on n'avait pas le choix parce qu'on l'a laissé... on l'a laissé dormir à la maison, on va dire ça comme ça. Capture évitée. Donc ouais, je pense que c'est ça, faut qu'on se laisse capturer en fait, et peut-être qu'il y a un truc en plus, je sais pas. Bah je pense que je testerai la deuxième fois, on verra bien. Arme récupérée, soldat, voix non empruntée. Je sais pas du tout c'est quoi l'autre. Sauver sur le toit, donc ouais, on peut ne pas être sauvé sur le toit. Cathédrale rejointe discrètement, repérer en ville. Alors repérer en ville, ça c'est parce que plusieurs fois les mecs, je pense, ils m'ont repéré et du coup, parce que j'ai mal fait les QTE. Et je me suis fait avoir comme une débile aussi. Donc bon, ça c'est logique, hein, je me suis fait avoir. Repérer au point de contrôle franchi. Mais du coup, c'est lequel que j'ai, je comprends pas. Il me dit que j'ai les deux. Je comprends pas. Bah, je sais pas. Je suis à 19%, mais. Enfin, par rapport à ce que les gens ils ont fait, mais je comprends pas en fait. Là, je vous avoue, je sais pas. Et la voie non découverte, bah, je sais pas. J'essaierai de m'informer quand même pour savoir c'est quoi. Parce que je vois pas du tout ce que c'est. Donc voilà, du coup, ben. Ouais, on a fait une deuxième mission à la CIA. Donc, on était en pleine guerre et tout. La pauvre Jody, elle a. Bah, elle a vécu, je pense, une partie de l'horreur, hein, parce que bon, je pense que dans la vraie vie, il doit y avoir pire que ça, à mon avis. Donc voilà, donc là, du coup, elle s'est rendue compte que malheureusement, l'homme qu'elle avait tué, en fait, avait été élu par le peuple, en fait. Il avait été choisi pour guider le peuple et pour arrêter les guerres et tout. Et en fait, elle a assassiné cet homme-là. Et avec les horreurs qu'elle a vues, elle a décidé de se barrer de la CIA et de se tirer, en fait, pour qu'on arrête de servir d'elle et qu'elle continue de faire des carnages, d'avoir du sang sur les mains, comme elle disait tout à l'heure. Donc voilà, du coup, là, on va être en mode fugitif pendant un petit moment. Donc ouais, je suis surprise de la mission, je me souvenais pas qu'elle était aussi longue, mais bon, c'est pas grave. Donc bah, du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, on va continuer sur la fugitive. Donc voilà, bah, du coup, bah, moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end pour demain. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Bisous tout le monde!